Ça, c'est toi. Au départ, ça a été une discussion avec Camille, l'éditrice. Il y a des méchants qui paraissent tellement évidents, comme la marâtre, le loup, la sorcière de Hansel et Gretel. Enfin voilà, il y a des méchants qui sont incontournables. Et puis, il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Et c'est plus vicieux, je dirais. Et c'est là que Marie aussi a amené des idées intéressantes avec le joueur de flûte de Hamelin. C'était toi, hein, le joueur de flûte. Dans mon souvenir, c'était toi. Joueur de flûte de Hamelin, des personnages, enfin, comme ça, un peu plus complexes. On ne les attend pas forcément comme la figure du méchant, mais qui s'inscrivent aussi dans cette complexité du méchant. Et le prince de la petite sirène. Et le prince de la petite sirène. Ça, c'est toi aussi. Ce crétin. Voilà, ce crétin qui m'a fait souffrir, énormément souffrir. Ouais. Désolée. Ouais. Et en fait, c'était une idée à toi, c'était un projet à toi. Et donc, tu cherchais quelqu'un pour... Alors, c'est vrai que ça a été très long, ça a mis 4 ans, parce que, au départ, on était partis sur plutôt des portraits de princesses avec Camille. Et puis après, Camille, elle m'a dit non, on va faire vraiment les méchants, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que je m'étais éclatée avec Barbe Bleue et que c'est un des albums qui me suit le plus. Et c'est vrai que c'est assez jouissif, en fait, de dessiner des méchants, parce que... c'est tout ce qui se lit entre les lignes aussi. Et là, c'était intéressant de leur donner la parole et d'avoir, un autre regard, un autre angle de vue. En fait, ils sont toujours définis par les autres, mais c'était intéressant qu'ils se définissent eux-mêmes aussi. Mais ça restait un travail de commande. Et faire un travail de commande, c'est pas facile de trouver la bonne plume, justement. C'est le défi que Marie a bien relevé. Moi, ça faisait plaisir, parce que c'est faire du mauvais esprit, en fait. C'est faire de la contradiction, qui est une chose dans laquelle j'excelle. Et donc, et c'était très amusant. Et c'était l'idée de travailler avec Elsa, je voulais travailler avec Elsa. Après, ce qui était plus compliqué, c'était les faire tenir sur 2000 signes. En fait, les contraintes de longueur, c'est vrai, c'est dur. Quelquefois, c'est peut-être pour le bien du texte, mais quand t'es l'auteur, tu ne t'en rends pas compte, t'as pas très envie qu'on coupe dans tes blagues, en fait. Ouais. Mais à un moment, faut couper dans les blagues. C'est ce qui s'est passé. Faut couper au montage, en fait. Voilà, faut couper au montage, ouais. En fait, moi, je veux faire réfléchir personne. Je voudrais juste que ce soit marrant. Parce qu'en fait, c'est rigolo. C'est toujours marrant de prendre le contre-pied. On vous donne une idée, vous dites « Et là, n'importe quelle personne, et à commencer par les enfants. C'est un sentiment de jouissance. C'est pas cassé, c'est cassé en reconstruisant. Tu t'es fait l'avocate, en fait. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Et comme un véritable avocat, il y avait des cas où vraiment ça me tenait à cœur. Je voulais vraiment que justice soit faite. Et il y en avait d'autres où je savais que mon client était... Il n'y avait rien à faire, quoi. Par quelques bouts qu'on le prenne, voilà. Barbe Bleue, quand même, il faut vraiment... Et d'ailleurs, quand on lit la plaidoirie pour Barbe Bleue, il ment. C'est Trump, quoi. C'est ça qui est très drôle, c'est qu'il y a des personnages... Il y a tellement de mauvaise foi dans leur... dans la façon dont ils essaient de se disculper. Mais c'est intéressant de voir comment un vrai méchant peut... cristalliser une forme de fascination inexplicable, en fait. Moi, c'est ce que je ressens avec Dracula. Dracula, pour moi, c'est un... Il ne fait pas... C'est pas un véritable assassin, Dracula. Ce que tu dis dans le texte... Serial lover, Dracula. Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'il est magnétique, en fait. Il est très, très charismatique, Dracula. Il tue personne méchamment, quoi. C'est ce que tu dis très bien dans le texte, justement. Là, moi, j'ai répondu, pour moi, c'est Dracula. Je voulais que mon Dracula soit séduisant. Alors, moi, je voulais vraiment être dans ce côté un peu glamour du personnage. Et donc, c'était plutôt vers Entretien avec un vampire que je me suis plutôt inspirée de ça. Même si c'est pas vraiment les personnages de Dracula, ce sont des vampires. Mais ça reste l'image de celui qui va... comme tu dis très bien, qui, contre le sang, vous donne l'éternité. Et il y a cette attirance, parce que dans l'entretien avec un vampire, Tom Cruise et Brad Pitt, y a pire. Donc ils ont quand même ce côté très, très glamourisant du personnage, et que je trouvais intéressant de tourner autour de cet imaginaire-là pour Dracula. Mais j'aime bien avoir vengé la petite sirène en tapant sur le prince. Du genre, j'ai rien vu, je savais pas, c'est trop bête, oh là là. Ça m'a trop fait plaisir.
Après, j'aime bien le loup, parce que je trouve qu'il se défend vraiment bien. Voilà, je pense que ces deux-là, c'était... Il y en a qui avaient été plus ou moins faciles à écrire. Hein. Ouais. Les mots, c'est cru, c'est marrant, hein. C'est plus dur que le dessin, parce que tu, ouais. Tu peux créer beaucoup d'images très violentes avec des mots, donc tu es obligé de peser là, avec ta petite balance, c'est moins rigolo. Bah, les mots sont des images, de toute façon. Ouais, créer des images, ouais. Moi, je dis souvent que mon métier, c'est mettre en image les mots, mais les mots sont déjà... ouvrent beaucoup d'images, oui. Mais on a parlé des illustrations de souviens. Ouais. Parce que Elsa, elle voulait faire l'illustration du méchant, en fait. Effectivement, c'est l'album, quoi. Moi, je disais, mais t'es sûre qu'il devait être aussi méchant? Bah, je crois que Marie, au départ, elle aurait aimé que je mette plus d'humour dans mes dessins. Et moi, justement, ce qui m'intéressait, c'était le contraste entre l'image qu'on en a, l'icône, en fait, l'icône du méchant, et son texte qui vient déconstruire cette image. Pour moi, c'était important de rester dans une forme de classicisme. Et je voulais pas les ridiculiser. Je voulais qu'ils gardent vraiment leur panache de méchant. En tout cas, moi, je suis très contente de la réunion de mon pinceau et de ta plume. Enfin, Voilà qui est bien dit. Ouais. C'est très long, en fait. Je commence à faire mon dessin. Et une fois que j'ai fait mon dessin, je le recouvre de blanc, de peinture à l'huile blanche, au couteau. Je le passe au couteau pour avoir des irrégularités que je trouve intéressantes, parce que j'aime pas travailler trop dans le lisse. Il faut attendre 4-5 jours que le blanc soit bien, bien sec. Et une fois qu'il est bien sec, il y a mon crayon qui ressort sous le blanc. Alors je me mets sur la fenêtre, là, et je reprends tous les traits importants. Et à partir de là, je vais pouvoir faire une peinture à l'huile qui va un peu glisser et qui va te donner des effets, bah, justement, de transparence comme ça, de choses très, très claires qu'on peut obtenir avec l'aquarelle. En fait, c'est un peu comme si je faisais de l'aquarelle, mais avec de la peinture à l'huile. Sauf que l'aquarelle, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors que l'huile, on peut quand même se donner le droit à l'erreur. Ce que j'aime, c'est qu'on peut l'enlever, qu'on peut la remettre, on peut mettre du couteau, on peut jouer avec le pinceau, avec les effets de matière. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec l'aquarelle. J'ai les deux avec cette technique, ce qu'on appelle la technique du glacis. Et c'est ça que j'aime quand je travaille, c'est de me dire, j'ai droit à l'erreur. Exactement comme les méchants, ils ont droit à l'erreur, peut-être. On s'adresse autant à un public enfant qu'adulte. C'est ça que j'ai aussi beaucoup, enfin, que j'aime dans les contes et que j'ai particulièrement aimé dans le travail des textes de Marie, c'est qu'il y a vraiment une double lecture. Il y a une lecture enfant et une lecture adulte.